tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation de livres de ma collection de coloriage parce que bah aujourd'hui j'en ai reçu 3. Pardon. Donc je vais vous faire 3 vidéos aujourd'hui et puis bon, je les mettrai pas le même jour, mais bah, vous allez voir que je suis habillée pareil et tout ça, tout ça. Hein? Mais voilà. Donc on va commencer par celui-ci. Oui, j'ai passé une commande sur Amazon Japan, donc voilà, je me suis pris ce livre qui me faisait envie depuis longtemps. Donc voilà, un livre de coloriage de Winnie l'ourson de Kawade Shobo Shincha. Voilà. Voilà. Donc vous avez le rabat. Donc prix sur Amazon Japan, je vous mettrai le lien en barre d'information. Si jamais il vous intéresse. Voilà. Est-ce que je vais réussir à pousser mon bazar? Voilà. Est-ce que ça va être bien? Je suis loin. Non, je suis trop près en fait. Voilà. Là, on est bien. Donc ça, c'est toutes les illustrations que vous allez retrouver dans le livre. Mais bon, vous avez les inspirations si jamais vous voulez faire les véritables couleurs. Voilà. Ensuite, vous avez double page de tuto. Enfin, où il vous montre un petit peu comment réaliser Winnie et autres. Je sais pas avec quel crayon ils font les références. Si jamais il y a vraiment référence à certains crayons, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai Google Lens. Hein. J'ai utilisé petit à petit de nombreuses couleurs pour exprimer les ombres. Ouais, donc c'est pas. Vous n'avez pas des combos, c'est vraiment juste des couleurs. Si vous utilisez moins de couleurs, cela paraîtra un peu terne. Ah oui, donc là, c'est avec plus de couleurs et là, moins de couleurs, on voit que la différence. D'accord. Mais vous n'avez pas vraiment de combo, c'est juste les teintes. Je sais pas d'ailleurs quels crayons sont utilisés. Aucune idée. Ah bah non, bah vous les avez encore en grand là. Et toutes les images. Ah non, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup celle-ci. Je peux couper mes notifs. Sorry. J'espère que ça ne va pas faire de bruit avec mon micro. Des fois, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà à quoi ressemblent les illustrations. Donc, c'est un très fin pas noir. Et au dos, vous avez toujours le numéro et le titre de l'illustration. Otonano Nori. Non, il n'y a pas de titre d'illustration, c'est juste le numéro de l'illustration. Après, l'illustrateur, basé sur l'histoire de Nana. Comme d'habitude, hein, vous retrouverez toujours mes doigts sur l'illustration où la page sera pas entièrement complète, voyez, dans ce style-là. Pour éviter les copies. Voilà. Parce qu'on vous voit, les gens. Hein? Et du coup, les pages sont détachables. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Voilà.
Et le papier, je pense que l'aquarelle passe, hein. Celle-ci, je la peau. Gros piton. Il y a un gros piton. Je sais pas s'il donne le détail du papier. Reliure, nanana. Les yeux de coloriage facile pour adultes, ours amusant. Ouais. 30 juin 2020, parution de la 20e édition. Éditeur, nanana. Son numéro de téléphone. Non, on n'a pas le détail du papier. Non, j'ai pas. Sachez qu'il en existe vraiment plusieurs hein, de livres de ce type. C'est étonnant ça. C'est collé là. C'est un collé là. Ouais. Je sais qu'il y a Bambi, il doit y avoir Alice au Pays des Merveilles. Mais voilà. Moi j'aime bien. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. Je suis désolée pour la ring light, hein, franchement. Mais bon, si on veut voir clair, on n'a pas le choix. Aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, il fait tout moche. Voilà. Donc contente qu'il soit à la maison. Voilà. Je vais pouvoir. Tester ça à l'aquarelle. Ouais. Je vous fais des bisous et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.